chenaux et vendre la discorde entre les poneys terrestres et les licornes est presque trop facile. Nous pourrions vaincre Twilight et ses amis une centaine de fois, mais tant qu'elles auront l'amour d'Equestria pour les soutenir, elles pourront toujours riposter et nous vaincre. Il faut que ça cesse. Plus d'amitié, plus de magie. C'est tellement évident quand on y réfléchit. J'ai accompli ma mission en effrayant les Pégases. Et la longue absence de Grogar m'a donné le temps de préparer la deuxième partie de notre plan. La cloche de Grogar. Cet objet peut voler la magie de n'importe quelle créature et retenir cette magie jusqu'à ce qu'elle soit libérée par ce sortilège. Ce qui signifie que toute la puissance qu'elle détient sera la nôtre quand nous voudrons. Tu vas sur cette cloche. Essayons le sortilège avant que Grogar ne revienne. J'en ai fait d'attendre le plan infernal de ce bouc. Prenez mes mains pour que nous puissions tous trois exécuter le sortilège. À moins que vous ne préfériez que je garde toute la magie pour moi tout seul. Notre pacte n'a pas changé. Ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Et quand nous aurons vaincu les protecteurs d'Equestria, nous pourrons retrouver nos terres et diriger nos royaumes entièrement seuls comme avant. Après le couronnement, Twilight n'a pas besoin de soucis supplémentaires aujourd'hui.